Chinezen en de Russen en de Indiërs en de Brazilianen enzovoorts, die gaan nooit dulden dat Iran in handen valt van de Verenigde Staten en Europa. Die gaan het nooit dulden. Zolang ze kunnen, zullen ze zich daartegen verzetten. En ze kunnen dat, omdat China is sterker dan het ooit de voorbije 200, 300 jaar geleden geweest is. Dus zij kunnen weerstand bieden. En dat is het grote probleem. En daarom zie je nu bijvoorbeeld, dat is volgens mij geen toeval, zie je de spanning met Polen in Rusland, de regering Poetin te delegiteren. Men zegt, ja, die verkiezing, Poetin heeft dat wel gewonnen, en zijn partij heeft die verkiezing maar min of meer gewonnen. Maar, dat is allemaal niet legitiem, dat is allemaal niet een grote fraude. Maar zie maar die oppositie. Zelfs in China, het is geen toeval dat er dan plots ineens een opposant, een blinde opposant, waarvan nog nooit iemand, buiten van specialisten van gehoord had, ineens ontsnapt hij uit zijn huisarrest en ineens duikt hij erop in de Amerikaanse ambassade. Ik hoef niet veel gelezen te hebben over de zaak om te weten dat de Amerikaanse CIA dat waarschijnlijk wist dat in die ontsnapping en dat ze die. En die wordt dan ineens in alle proporties ook uitgeblazen, want daar in de Financial Times gewoon pak twee pagina's verhaal over de ontsnapping van meneer Chen. Plotseling ineens ook de Dalai Lama die boven water komt, die wordt dan ereburger van Hoei. Nu, ja, Hoei is natuurlijk geen ontvangst bij Herman Van Rompuy of bij Die Roepel, maar wees er zeker van, en ik ken de geblogen in België, die wordt geen ereburger van Hoei zonder het akkoord van buitenlandse zaken en de regering. Ineens zie je die man. Dus men gebruikt elementen, men creëert spanningen rond Rusland, rond China, om die landen zo onder druk te zetten. Om dan als tegen in de onderhandelingen in de illusies te gebruiken als, kijk, oké, als jij ons laat doen met Iran, met Syrië, dan laten wij Chen gerust. Dan zwijgen we erover. En de Dalai Lama zal nooit moeten komen bij ons. Dat zal toch zelfs land hebben die ons. Dat zijn dan de drukingsmiddelen die men gebruikt om Polen. Maar Iran is te belangrijk in de geostrategie van de wereld, in de internationale handel. De olie en de gas, dat Rusland, China, Indië en zelfs Japan in deze dood, dat kan niet tolereren. En dus is men daar geblokkeerd op dit ogenblik en weet men verder niet waarheen. De kans dat het conflict komt in Syrië en Iran, om daar tot een grote conflict, is natuurlijk wel reëel. Want we spreken hier over gigantische belangen. Niet het belang van de dagelijkse AFES, modaal uit Aleppo of ons of zo. Nee, we spreken over gigantische commerciële zakelijke belangen die de wereld in de draaien. Het probleem bij deze alles is natuurlijk dat ze Iran zou aanvallen, dat Iran maar op een knopje hoeft te duwen om al de olieinstallaties in het Midden-Oosten te vernieuwen. En op dat ogenblik gaat het licht hieruit. Bon, je vais être très très bref pour traduire cela parce qu'on me l'a demandé. Donc M. Willy Van Damme a eu le mérite de mettre la situation syrienne dans un contexte bien plus vaste car il s'agit du droit des États à disposer eux-mêmes, et il s'agit évidemment de la question israélienne. Jusqu'à présent, le père et le fils Al-Assad n'ont constitué pour l'Occident aucun problème. Les problèmes de la Syrie ont commencé avec l'occupation israélienne du Golan à la suite des deux guerres israélo-arabes de 67 et de 73. La Syrie a été le seul pays à refuser la paix avec Israël tant que le Golan était occupé, parce que le Golan était une région stratégique de toute première importance. Le deuxième motif pour couler la Syrie en tant qu'État vient de l'émergence de deux mouvements de résistance palestiniens, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, qui vont recevoir bien entendu le soutien de la Syrie qui fait pression pour réobtenir le Golan, et de l'Iran.
Ensuite, Israël, qui envahit le Liban, se heurte aux défenses du Hezbollah, et c'est en fait la première défaite de l'armée israélienne depuis l'indépendance de l'État hébreu. À partir de ce moment, la Syrie a été considérée comme un danger à éliminer. On va utiliser un certain mécontentement populaire, une jeunesse qui veut s'ouvrir à toute une série d'américanisme culturel, musique, internet, etc., et qui va un peu s'insurger contre les vieux de Damas qui ont une idéologie étatique et non pas libertaire. L'instrument qui va être utilisé pour faire imploser la Syrie de l'intérieur sera l'islamisme, pour faire émerger une opposition et créer le chaos dans le pays. Monsieur Van Damme a sorti un très intéressant article du Financial Times qu'il a traduit, qu'il a lu en anglais. Donc, on montre comment les Marines américains qui ont leur propre service tablent sur les minorités ethniques de l'Iran pour créer une fragmentation violente du pays. Mais cette stratégie mise au point pour l'Iran n'a pas été appliquée en Iran, mais bien en Syrie. Et on va ensuite mobiliser tous les fous du monde arabe, dit M. Van Damme, pour pénétrer en Syrie et y créer le chaos. En même temps, on voit le chef de l'opposition syrienne se faire photographier avec un extrémiste israélien, Ehud Barak, et qui proclame vouloir faire la paix avec Israël. Le problème se corse parce que la situation internationale n'est évidemment plus la même que celle d'il y a 10 ou 15 ans où il y avait une Russie inexistante sous Eltsine, où les États-Unis pouvaient tester la fragmentation d'un État en Yougoslavie. Il n'y avait donc pas de Russie, la Chine n'avait pas encore acquis le degré de puissance qu'elle avait aujourd'hui. L'Inde et le Brésil n'étaient pas encore des puissances émergentes qui avaient franchi un certain seuil. Aujourd'hui, les pays du BRICS, ces pays émergents, plus la Chine et la Russie, ne toléreront jamais que la masse du gaz et du pétrole iranien tombe aux mains des États-Unis. Donc la Russie de Poutine va s'y opposer, c'est pourquoi il y a une opposition artificielle qui est créée en Russie. La Chine va s'y opposer, on voit émerger un certain M. Chan, et on voit réapparaître le Dalai Lama, tout ça pour créer des moyens de pression pour faire fléchir la Chine ou la Russie. Donc la situation internationale est bloquée avec l'affaire syrienne aujourd'hui, avec le risque, qui n'existait pas auparavant, de voir se déclencher une conflagration gigantesque sur l'échiquier politique international, avec évidemment un Iran qu'aucune puissance émergente, ni aucune puissance comme la Chine ou la Russie, ne voudront voir tomber aux mains des États-Unis. Voilà, c'est bon. In a nutshell, like they say in English, to say all the details, that Mr. Van Damme was able to tell you this